I love Bonjour, je suis Kim Yong-ji, l'auteur de Warlord. Enchanté. J'ai toujours adoré la BD. J'étais un peu plus doué que mes camarades en dessin, et ça a toujours été une facilité pour dessiner toujours plus. Au départ, c'était un jeu, une passion. C'est à partir de l'adolescence que j'ai pris conscience qu'être dessinateur de BD était un métier formidable, peut-être le plus beau métier du monde. À partir de ce moment-là, la voie était un peu tracée. Je voulais devenir dessinateur de BD. Après mon travail sur la BD Jackal pour les Japonais, j'avais envie de retravailler de nouveau avec une équipe coréenne. Et donc, je me suis lancé avec l'ancienne équipe de la BD Changchu sur la BD Warlord. Travailler avec des Coréens, c'est beaucoup plus facile. La communication est meilleure. Il n'y a pas la barrière de la langue. Et on se concentre un peu plus sur la BD. Oui, vous avez raison. Mes personnages ont de grandes armes. Vous savez, lorsqu'on crée un personnage, il est important que celui-ci marque les esprits. Il faut que le personnage sorte du lot. J'ai opté naturellement sur les armes des personnages. Alors, on peut varier la taille, mais aussi, on peut aussi travailler le design de ces armes. En fait, je n'ai jamais fait le lien entre les personnages de Warlord et ceux du jeu Soul Calibur. Mais maintenant que vous m'en parlez, je me dis qu'il y a peut-être une connexion. En tout cas, si j'ai été influencé par ce jeu, je l'ai fait inconsciemment. Ce qui est sûr, c'est que Warlord a pris des influences dans les jeux vidéo. C'était un choix volontaire, et notamment les jeux en réseau où on joue en équipe.